Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Allez, on se retrouve pour cette première nuit noire de la saison et de ce nouveau DLC. Donc là, on a le Bastion Écarlate. Donc c'est vrai que c'est un très vieil assaut qui est vraiment génial. Là, en nuit noire, il est juste excellent, surtout le boss, si on ne connaît pas. La petite astuce, c'est vrai que c'est très galère, mais ça fait vraiment du bien d'avoir du neuf. Donc pour le coup, ils nous disent attention qu'on aura des implacables et des bloqueurs. En termes d'éléments, ce sera énormément de cryo. Vous aurez une vingtaine de chevaliers cryo en solaire, environ 27 prêtresses solaires. Pour le coup, moi, j'en ai beaucoup plus. Nous, on en a beaucoup plus, car vous allez le voir. Avant d'arriver le boss au niveau de grand ascenseur, bah, on ne le fait pas tout simplement. Et ce qui fait qu'à chaque étage, même au rez-de-chaussée, on a trois prêtresses solaires supplémentaires par rapport à si vous prenez l'ascenseur. Donc nous ne l'avons pas pris par mesure de sécurité, parce que c'est vrai qu'avec tous les snipers et autres, étant donné qu'on était un petit peu juste en lumière, on a préféré jouer la sécurité. Après voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde peut prendre l'ascenseur sans danger. Après, si vous voulez pas trop vous embêter, vous l'activez, vous allez voir en fin de vidéo, vous l'activez, vous descendez. Vous vous planquez, vous attendez d'être TP et comme ça vous n'avez strictement rien à faire. C'est une petite méthode, une petite astuce qui est très sympa et ce n'est strictement pas un glitch, hein, c'est juste qu'on devient hors zone de combat, donc on est ramené en zone tout simplement. Donc je vous disais qu'en termes de champions, donc par exemple pour les implacables, on n'en a que 3, donc c'est vrai qu'à la limite une seule personne ça peut suffire. Et des bloqueurs, voilà, on en a 7. Donc là, cette nuit noire, on l'avait lancée en 1550, histoire bah, forcément de faire les 100 000 points. Car en dessous, ça ne passe pas. Au-dessus, bah là, on n'avait vraiment pas le niveau. Hein. C'est la première nuit noire, on était à peine stuff. Et on est parti. Donc on n'oublie pas hein, pour cette saison, pour ce qui va être les bloqueurs, donc ce sera l'éclaireur ou l'arc. Et pour ce qui va être implacable, donc là, ce sera l'impulsion ou alors le revolver. Bon, après, bon, oui, il y a le glaive aussi. Bon, pour ma part, c'est vrai que j'aime pas trop, mais surtout en nuit noire. Mais voilà, il y a aussi le glaive, donc c'est vrai que là, il y en a un peu plus. Après, quoi vous dire dessus, hormis bah, quand vous la démarrez, bah, essayez d'être paquet, hein, parce que c'est vrai que quand on a un peu juste en niveau, mais sinon, franchement, comme toutes les nuits noires, ne rushez pas comme des cons, et ça passe tout seul, hein, vous le voyez bien, on y va tranquillou, on prend le temps, on clean toutes les zones, bien évidemment, pour faire les points qu'il faut. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas, hein, dites-le dans les commentaires, ou alors ajoutez-moi directement, tous les liens seront en description de la vidéo, si ça peut vous aider, ce sera avec grand plaisir, hein, que ce soit sur une nuit noire, pour avoir le lance-patate exo, pour la nouvelle activité en légende, pourquoi pas, hein, voilà, si vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, bah, bonne game à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.